Das deutsch-französische ökologische Jahr ist für junge Leute aus Deutschland und aus Frankreich ein Orientierungsjahr, in dem sie jeweils im anderen Land ein Jahr lang in einer Einsatzstelle einen Dienst ableisten, der mit Ökologie und Umweltschutz zu tun hat. Das macht den jungen Leuten viel Spaß. Wir machen das jetzt seit 5 Jahren zusammen mit dem deutsch-französischen Jugendwerk. Wir haben verschiedene Projekte. Ein Großteil der Freiwilligen arbeitet ganz praktisch auf Bauernhöfen. Und ein anderer Teil der Freiwilligen ist in pädagogischen Stellen, so wie ich, eingesetzt und realisiert da Projekte. Es gibt unglaublich viel kulturelle Sachen zu entdecken. Man lernt neue Leute kennen, man lernt eine neue Sprache, neue Gewohnheiten und das ist unglaublich bereichernd. Und ich kann das echt jedem nur empfehlen. J'avais plusieurs projets à la base, c'était de vivre une expérience allemande, de vivre vraiment dans l'Allemagne un an. Et ensuite, parallèlement, de vivre dans une élevage de chèvres ou quelque chose en rapport avec les chèvres. Et je suis tombée dessus, du coup, en cherchant un peu sur Internet et tout ça. Et le volontariat, écologique, apprendre tout ce qu'il faut là-dedans, quoi. Donc c'est parfait. Ich selber arbeite da an einem Projekt, das heißt Caravan Ecole. Und das setzt sich eben mit nachhaltiger Entwicklung, nachhaltiger Ernährung, auch gesunder Ernährung auseinander. Und versucht da vor allem auch die Jugendlichen aufzuklären, um eben die Ernährung zu verbessern und vor allem auch anzuregen, dass die Jugendlichen mehr über ihre Ernährungsweise nachdenken. On est en une semaine de séminaire et ça permet de que tous les volontaires franco-allemands qui participent à ce programme de volontariat puissent se retrouver, puissent échanger leur expérience. C'est une semaine d'échange entre tous les volontaires. Et les séminaires, c'est un moment justement de retrouvailles et d'échanges entre les Allemands et Français. Donc ce qui permet d'en apprendre sur la culture aussi, avec des jeunes qui parlent et apprennent la langue. Et puis de réfléchir aussi à son projet personnel, parce que ben, l'éco-volontariat, c'est une année d'engagement, mais c'est une année aussi pour ceux qui veulent plus réfléchir, avoir le temps de se poser des questions sur leur avenir en fait. Nous, notre mission entre guillemets, c'est de leur donner des outils ou des clés ou de leur faire réfléchir à certaines choses pour que ils puissent rentrer de façon plus sereine ou un peu plus sûre d'eux dans leur lieu de mission et dans le pays partenaire. Au collège lycée, j'ai pris anglais et espagnol, du coup j'avais vraiment aucun, à part quelques mots comme ça, mais vraiment aucune base. Après, j'ai pu bénéficier des bourses de l'OFH pour partir un mois à Berlin pour avoir des cours intensifs. Donc, c'était vraiment pratique pour avoir les bases, le niveau. Et maintenant, j'arrive à me débrouiller. Grammaticalement, c'est toujours pas ça, mais les gens sachent que j'ai pas un très bon niveau de base. Du coup, ils sont déjà contents que j'arrive à m'exprimer dans leur langue. Je pense que vraiment une amitié franco-allemande, ça se fait pas simplement à table avec des officiels. C'est pas juste se serrer la main, c'est passer du temps ensemble, manger, partager un repas, c'est discuter, jouer ensemble, découvrir des mots de l'autre langue. Et le fait d'avoir des petits groupes comme ça où on travaille vraiment en faisant des activités au plus proche en fait, des activités linguistiques et interculturelles, on arrive justement à faire réfléchir les gens et en fait, le financement de l'OFH, il plante la petite graine des relations futures. Wir haben also mit den Leuten, die vor 5 Jahren das gemacht haben, immer noch einen guten Kontakt und sie sind sehr, sehr zufrieden, das gemacht zu haben, diesen deutsch-französischen Austausch. Und das hat teilweise ihr Leben, ihre berufliche Karriere auch in diesem Sinne beeinflusst. Weil generell in Frankreich, dass der Freiwilligendienst viel weniger unterstützt wird oder viel weniger bekannt ist und auch viel weniger in der Bevölkerung eben so vorkommt als in Deutschland. Und ich finde, daran sollte auf jeden Fall gearbeitet werden. Und da können wir vielleicht mit dem deutsch-französischen Öko ja auch ein Beispiel geben, dass es eben funktioniert, auch als Austausch.